Marek Boubi et on se retrouve sur du Kingdom Hearts. On va continuer la suite de nos aventures et que nous sommes arrivés à la ville de Traverse, donc nous allons chercher un petit peu tout ce qu'on a à faire ici. Ah, d'accord. Il nous lock là, mais on va arriver là, voilà. C'est vraiment étrange. Je suis dans un autre monde. Bah oui. Apparemment, oui. Il ne s'ouvre pas, ok. Il ne s'ouvre pas. Bah, allons par là. Je pense qu'il faut suivre Donald et Dingo, je pense. Oh! Ah oui, il y a des sons en plus, c'est vrai. Bonjour, je peux vous... Oh, c'est qu'un gamin. Je suis pas un gamin et je m'appelle Sora. D'accord, d'accord, calme-toi. Dis-moi, t'as l'air perturbé. Tu es perdu ou quoi? Non, enfin peut-être, oui, sommes-nous. Faudrait savoir, bon, je t'explique. La ville de Traverse, dit le vieux, je suis vraiment... dans un autre monde. Non, ne m'appelle pas le vieux, je m'appelle Sid. Enfin bref, je ne vois pas de quoi tu parles, mais ce qui est clair, c'est que tu n'es plus sur ton île. Je ferais mieux de chercher Riku et Kairi. J'ai pas compris ce que tu cherches, mais bonne chance quand même. Si jamais tu as un souci, viens me voir. Je veillerai sur toi. Ah, merci. Il te faut-il, j'ai des choses à acheter. Des choses à acheter, je veux acheter. Entendu. Ah ok, d'accord. Bon, on n'a pas d'argent pour le moment. Ok, donc ici c'est un peu une boutique. On est dans une boutique, d'accord. Je ne me souviens plus tellement comment ça se passe dans ce jeu, donc... On est dans une boutique, ok. Ah! Mais ça c'est bien. Ça c'est la maison de Geppetto, ça. Ou que vous ayez l'argent et roi. Bah ouais, bah comme partout, je te dirais. Alors. Allons par là. Oula. Ah d'accord. Ah, un nouveau ennemi. D'accord. C'est très créatif. Aïe. Prendre level. Allez, dégage. Ok, je sais pas où j'y vais, hein. Je vais à gauche, à droite, je pense que c'est le bon chemin. Pas mal de combats, comme on voit. Hop, parfait. Allons par ici, je pense que c'est par là. Ah non, c'est pas là. Ah oui, bah c'est là. Pas le nom plus. Ça va prendre du temps. Ah bah ça cherche, hein.
Les 99 chiots sont perdus durant la destruction de leur monde. Trouvez-les dans les différents mondes. D'accord. Donc je dois trouver les 100, les 99, d'accord. Puis je pense que ça me donnera une récompense, je pense. Il y en a des portes. On arrive où là? Ah, je pense au même. Non, tu vas calmer, merci. Allez, donne-moi ça. Voilà. Ah, il y a un saut là, d'accord. D'accord. Aïe. D'accord, j'ai reçu un objet. Je sais pas ce que c'est, on verra bien. Léo, monsieur, Léo, où êtes-vous? D'accord. Bon, au final, on prend quelques points. Enfin, si je regarde... Objet, Sora... Non, j'ai que potion plus, d'accord. Je peux pas ouvrir, d'accord. Ah, un coffre. Potion, d'accord. Objet Sora. Oh, oh, merci pour le raid, Yonick. Merci pour le raid. Bienvenue à tous les viewers. Comment allez-vous? What's up? Comment allez-vous les gens? J'espère que vous allez bien. Hop, on est bon. Tac. What's up, ça fait du monde d'un coup. Ben oui, ça fait du monde d'un coup, ouais. Oh, tu sais, il y a des gens qui viennent, qui repartent. Ben toi, ça va bien, merci. Ça va bien. Alors, on va sortir d'ici. Allons par là. Ah bah. C'est pas du tout du Smash, là. Hein. Là, c'est donc du bon vieux rétro, là. J'avais envie de rejouer à ce jeu que j'avais terminé une fois en galère. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, Kingdom Hearts, j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu. D'accord, ok. Examiner, oui. Mais lequel, le 1 ou le 2 ou le 3? Ou bien les autres, il y en a bien plus. Hein. Je crois qu'il y a une dizaine de jeux de Kingdom Hearts. Bon, moi, j'ai fait le 1, le 2 et le 3, tout simplement. Tous! Ah, tu les as fait tous, ok. Je m'y connais tellement pas. Ah bah, c'est l'univers de... Oula. Bon, minable. Alors, toi...
Bon, je vais faire trois passes que je n'ai pas sur PSK, gros, tristement, dans mon cœur. Ah d'accord, ok. Alors, j'étais juste en train de ban un gaillard. S'il vient, il dit même pas bonjour, rien du tout. Moi, je rigole pas avec ça. Et sinon, comment allez-vous, les gens? Je pense que t'as été faire du... Du smash, Yannick. T'as passé des bonnes games, je pense. Ça, on vient de finir tranquillement. Ok. En grossir de traite, mais vraiment de beaucoup, c'est Disney qui rencontre Final Fantasy. Bah oui, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Mais bon, soyons contents qu'on a eu des jeux comme ça à l'époque. Par contre, je dois aller où, moi? J'ai vu Dingo une fois là-bas. Je crois pas que je dois aller là. Quoique. Ah. Parce que là, on est en train de rechercher Donald et Dingo. Non, c'est pas par là. Je pense que c'est par là. Allons par ici. Ah. Tu es encore tout seul et ce que tu as affronté... Est-ce que tu es encore tout seul? Est-ce que tu as affronté Léon? J'ai encore affronté personne dans la ville de Traverse. Là, maintenant, on a été voir... comment ça s'appelle? On a été dans la boutique, là, je crois qu'il y avait... C'était Léon, je crois. Comment il s'appelle, je crois. Je crois que c'est lui, il me semble. Putain, il y a tellement de personnages qu'il faut savoir. Ok. C'est fermé à clé. Ok. Je sais qu'à un moment donné ici, on a... Il doit y avoir Riku qui devra popper. Retourne au premier quartier. Retourne au premier quartier, il y aura un combat de boss face à Léon. Ensuite, il faudra que tu retournes là où tu es maintenant pour retourner pour trouver... Ah ok, d'accord, ok. J'irai... Je vais aller faire ça alors. J'écoute les gens. Et... Tant mieux s'il y a des experts. La belle et clochard. Ok. Bon, si tu m'as dit qu'il faut que je retourne en arrière, je retourne en arrière. Et je reviendrai ici, d'accord. Je crois que c'est même ici que je crois qu'on rencontre Donald et Dingo, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ça remonte à loin ce jeu. Bon, les 100 coeurs, on s'en fout. Vous me donnez pas trop d'XP. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, il me semble. Dans le premier. Après, je me souviens vraiment pas de tout. Hein. Je sais que je vais galérer, mais d'une puissance monumentale vers la fin. Au début, ça va aller, mais c'est après qu'on va en chier. Quand il y aura les boss, tout ça. Il n'y avait pas tous ces 100 coeurs là. Après avoir affronté un marche. Putain. Tu vas prendre, merci. Après avoir affronté le marche méchant de pièces d'échec. Ok.
Je sais que j'ai un très mauvais souvenir d'Alice au Pays des Merveilles. Même si c'est le premier monde où on va y aller. Tiens, un peu un très mauvais souvenir. J'ai un petit peu galéré là-bas. Je sais plus quoi, mais j'avais galéré. Bon, au moins il est en français, hein, le jeu, parce que... Les voix anglaises, ils sont bien, mais je préfère les voix françaises. Mince, il est où Léon? Bizarre. Peut-être j'ai pas fait assez de... découvertes à gauche à droite, c'est possible, hein. Je sais plus comment il s'appelle, lui, le marchand, là. Tu n'as pas l'air toujours en patrouille. Non, non, là, c'est rien à voir. Non, là, ah oui, c'est Sid, mais quel con. Ça, c'est Sid, ouais. Quel abruti. Ah bah voilà. Bon. Où que tu sois, ils t'attaqueront. Qui es-tu? Ah, mais oui, c'est lui, Léon, bien sûr. Aussi longtemps que tu manieras la Keyblade. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-elle choisi un gamin comme toi? Hé, hey, qu'est-ce que tu veux dire par là? Me laisse tomber. Maintenant, voyons cette Keyblade. Quoi? Il n'est pas question que je te la donne. Très bien. Tu l'auras voulu. Ouais, je me souviens maintenant, oui. Oula. Oula. Aïe. Oula, oula, oula. Aïe. Mais je dois gagner ou je dois perdre contre lui? Ne t'embête pas, tu n'as pas supposé de gagner le combat. Ok, d'accord. Oh bah voilà. Bon, je l'ai battu. Maintenant, tu vas... Oh, tu te laisses aller, Léon. Oh. J'ai pas voulu forcer. C'est encore pire que ce qu'on avait imaginé. Bien pire. Bien pire? Comment ça, bien pire? Eh oh, je suis pas une grosse merde encore, hein. Oh, pardon. Donald, dingo. Bon sang, y a personne ici. C'est drôlement sinistre. Il est con. Excusez-moi. C'est le roi qui vous envoie? Con Donald. Oh, gros fainéant. Réveille-toi. Ça va? Je crois. Les créatures qui t'ont attaqué, elles sont à la recherche de la Keyblade. Mais en réalité, c'est ton cœur qu'elles veulent. Parce que tu manies la Keyblade. Je suis si content que tu ailles bien, Kairi. Kairi? Mais de qui tu parles? Je suis le grand ninja Yuffie. Hein? Eh ben, je crois que tu y as été un peu fort, Squall. Je m'appelle Léon. La Keyblade? Ouais, on a dû te la prendre pour éloigner ces créatures parce que c'est grâce à ça qu'elles arrivent à te pister. C'était le seul moyen de protéger ton cœur. Mais ça ne marchera pas longtemps. C'est quand même bizarre. J'arrive pas à croire que tu sois l'élu. Enfin, j'imagine que nécessité fait loi. Je ne comprends rien à ce que vous dites.
Qu'est-ce qui se passe ici? Très bien. Vous savez qu'il existe beaucoup d'autres mondes en dehors de votre château et de cette ville, n'est-ce pas? Mais ils sont censés être secrets. Et ils sont restés secrets car ils n'avaient jamais été reliés, jusqu'à présent. Quand les Sans-Cœurs sont arrivés, alors tout a changé. Les Sans-Cœurs? Les monstres qui t'ont attaqué, tu te souviens? Ceux qui n'ont pas de cœur. Ce qui les attire, c'est la partie obscure du cœur des gens. Et il y a un côté sombre dans chaque cœur. Dis, t'as entendu parler d'un certain Ansem? Ansem? Oui, il étudiait les Sans-Cœurs. Il a noté l'ensemble de ses découvertes dans un rapport très détaillé. Ça alors? Est-ce qu'on peut le voir? Les pages sont éparpillées un peu partout. Éparpillées? Dans plusieurs mondes. Oh! Le roi est peut-être parti les chercher? Oui, c'est ce que je pense moi aussi. Nous devons le retrouver, et vite! C'est exact, la Keyblade. Alors, c'est ça la clé? Tout à fait. Les Sans-Cœurs redoutent la Keyblade. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à toi, quoi que tu fasses. Hé, mais j'ai rien demandé, moi. La Keyblade désigne son maître, et c'est toi qu'elle a choisi. Un choix discutable. Mais comment c'est arrivé? Je me souviens, j'étais dans ma chambre et... Une minute! Qu'est-il arrivé à ma maison? À mon île? Riku! Kairi! Tu sais quoi? J'en ai aucune idée. Eh bien, je ne savais pas, j'ai toujours perdu ce combat malgré mes efforts. Ok, d'accord. Ben, apparemment, tu peux gagner. Ah. C'est fermé à clé. Parlez. On dirait que la Keyblade peut quasiment tout ouvrir. Utilise sur le coffre à la porte. Ouvrir. Voilà. Élixir. Ok. On rend compte que la Keyblade peut ouvrir toutes les sortes de serrures. Essaie de prochaine fois que tu trouveras des coffres à une porte. Ok. D'accord. C'est dangereux dehors, ne sors pas. D'accord. Ah, une petite sauvegarde, oui. Ça, je veux bien. Une petite sauvegarde, ça, je veux bien. Merci. J'ai toujours trouvé ce étrange que ce Sans-Cœurs soit un monstre qui forme autour de cœurs perdus des gens et des nobody sont ceux qui se forment tout autour des corps perdus. Mais je crois que c'est ça, ouais. Je veux bien, mais si tu veux pas me laisser sortir, je fais quoi? Ok. Tu ne peux pas rester tranquille. Non. Je veux sortir. Jigo, bon live. Merci Yonick. Merci pour ton raid. Puis je te dis à la prochaine. Ouais, j'aimerais bien. Tu veux pas me laisser passer? Tôt ou tard, les Sans-Cœurs te trouveront. Tu ferais bien de te préparer. Mais préparer à battre ou à ta vie, es-tu prêt? Je suis prêt. Merci. Yuffie, allons-y, rejoins Eris. Elle doit déjà être là avec les autres visiteurs. Léon! Ah. Yuffie, fonce. Yuffie.
Ne perds pas ton temps avec cela. Trouve le chef. Route. Ok. Aïe. J'ai envie de me battre. Hop. Surtout qu'il va me donner. Il va me donner des objets. Allez, merci. Ok. On est pas mal là. Hop. Il n'y a rien de spécial. Non, c'est bon. Ok. On va aller au quatrième quartier. Si on se bat pas, on va jamais monter de level. Ok. Mais on peut aussi crever avec ces conneries. Ok. On est pas mal là. On a des potions là. Je préfère les garder pour le moment. Ok. Non. Aïe. Mais. Oh non, quel con. Bon, premier fail. C'est un peu casse-pied que l'attraction d'objets soit comparaison que tu dois débloquer dans ce jeu. Bah c'est ça. Bon, on a merdé. Ok. Aïe. Ok. Ok, on va prendre un par un. Et ben voilà. Parfait. Ouh, ok. Allez, ça dégage. Un petit peu compliqué, mais ça va aller. Je crois que c'était par là, tu me disais avant. Elsmoch. Le Smoch. J'espère que j'ai bien dit ton nom.
Sam, ok Sam, d'accord. Ok Sam, Sam Gamjim, le brave. Allez, on va voir là. Ok, c'était bien là. Ah bah tu disais avant que c'était là qu'il fallait les trouver, bah c'était là. Échec géant. Encore un mini boss, je pense. Ouais, un peu plus facile quand on est trop ensemble, hein. Ah, le mini-boss. Ça y est, le voilà. Voilà, nice. Je sais pas si tu savais que la partie de son corps sont basées sur des pièces d'échecs. Son main sont de toutes les pièces. Non, alors là tu m'en apprends une alors. Ah bah merci pour l'info. Non, je ne le savais pas alors. Tu m'en apprends une là, Sam. Ah, corps, bravo. On a reçu un objet. Ça veut dire qu'on peut améliorer le personnage. Alors, c'est moi que vous cherchez ? Eux aussi sont à la recherche du porteur de la Keyblade. Hé, hey, pourquoi tu viens pas avec nous ? On pourra explorer d'autres mondes avec notre vaisseau. Je me demande si je pourrais trouver Riku et Kairi. D'accord, ok. Sora, pars avec eux. Surtout si tu veux retrouver tes amis. Ouais, d'accord. Ah, bah si tu fais ça, tête-là, tu viens pas avec nous. Trop bougé. Pas de résistance, d'accord? Ouais, il faut qu'il ait l'air drôle, comme nous. Wow. Ce vaisseau fonctionne au visage joyeux. Joyeux. Twisty. Ça, c'est un visage joyeux. Ok, pourquoi pas. Je pars avec vous, les amis. Je m'appelle Donald. Et moi, Dingo. Et moi, Sora. Un
pour tous et tous pour un. Et un pour tous, tous pour un. Pas de problème. Ah. Ce petit morveux a réussi à vaincre le sans-cœur. Qui l'aurait cru? Tel est le pouvoir de la Keyblade. La force de l'enfant n'entre pas en jeu. Pourquoi ne pas le transformer en sans-cœur? Ça résoudrait le problème rapidement. Et les compagnons du morveux sont les laquais du roi. Ils sont laids, comme des poux sur la tête d'un rat de fond de cale. Tu n'es pas non plus un prix de beauté. Tais-toi! Ça suffit. La Keyblade l'a désigné. Parviendra-t-il à conquérir les ténèbres? Ou bien sera-t-il englouti par elles? En tout cas, il pourra nous être très utile. Et c'est ainsi que tout commence. Ouais. Prépare-toi pour le voyage qui t'attend. On ne sait pas combien de monde on était envahi par les sans-cœurs. Dans les boutiques de la ville, il y a des objets trop cool. C'est notre part à tous. Ah bah merci. Dépense-les comme tu voudras. Et ça, c'est de la part de Léon. Élixir. Bonne chance. J'espère que tu retrouveras tes amis. Faites attention à vous. Ne perdez pas espoir. Pas de problème. Le vaisseau Gumi est derrière cette porte. D'accord. Vous pouvez aussi rejoindre le vaisseau Gumi grâce au point de sauvegarde. Il suffit de vous déplacer dessus, d'ouvrir le menu de sauvegarde et de choisir l'option vaisseau. Notez cependant que certains points de sauvegarde ne donnent pas accès au vaisseau Gumi. Le quoi? Notre vaisseau? Faut que tu vois ça. Une minute. Sora, c'est pour toi. Gagner un SO brasier. Pour lancer des sorts, utilisez les commandes magie. Vous pouvez aussi vous servir des touches de raccourci paramétrables dans les menus tactiques. Vous dépensez les MP lorsque vous pouvez les récupérer et utiliser certains objets comme un éther ou des frappes vos ennemis. Maintenant, tu peux lancer des sorts et toi aussi. Dingo, donne-lui l'autre truc. Quoi? Tu sais. Ah oui! Ah ouais! Sort de appris. Pour utiliser vos compétences, activez-les. Certaines compétences sont automatiques, d'autres s'utilisent avec la touche carrée. Activez le menu compétences, fonctionne le quartier de PC disponible. Les compétences permettent de faire plein de trucs pratiques. J'espère qu'on en trouvera beaucoup. D'accord, c'est tout. On y va alors? Pas avant qu'on soit prêt. Ah, encore Jimmy Cricket? Eh bien, je vois qu'ils vont vivre une grande aventure. C'est moi qui reviens de consigner tout ce dans mon journal. Ok. Ouais, on sait que l'un d'entre eux est Oogie Boogie. C'est effectivement pas le prix à beauté. Le bon vieux sort brasier. Ah bah oui. Alors, on va voir les objets qu'on a reçus. Bon, déjà, on va mettre quelques potions. On a encore. Hop. Équipement. Il n'y a pas ça. Ah voilà. Ça je peux mettre. Compétences. Roulade. J'ai activé ou j'ai désactivé? J'ai activé, ok. Celui-là il est activé aussi. Brasier, ok, triangle. Ok. Oula. Pardon. Ouh. À tes souhaits, merci. Quelqu'un qui pense à moi. Alors,
On va aller dans cette boutique là-bas. La boutique de Seed. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Regarde cette marque, Sora. Ça ne t'intrigue pas? C'est une marque Trio, il y a un peu de partout, de différentes couleurs. Au début, cela bleu peut être déclenché. Peu cela, il faut que Sora, Donald et Dingo soient prêts à marquer le qui utilise comment Trio. Ça marche pas, ça marche pas, tu veux que je te dise? Parlez. Entendu. Qu'est-ce que t'as comme truc intéressant? Augmente un peu le défense. Réduit les dégâts de type feu. 20% augmente un peu le défense. De glace, de foudre. Augmente un peu les PC max. Je sais pas, j'hésite. Ça peut être pas mal. Augmente un peu la défense. Je pense que c'est ça qui est le mieux peut-être. Oh purée, le manque de marque de Trio. J'ai vite abandonné la recherche dans mes parties. J'avais pas le courage de revisiter tous les mondes pour le trouver. Ouais, bon, je les ferai un peu, mais je pense pas que je le ferai le 100% là. J'hésite. Est-ce que je prends augmente un peu les PC max ou le colis carapace ou je prends des trucs brasier tout ça? Ben, je sais pas quel ennemi on va avoir. J'hésite. Je pense que je prends celui-là, allez. Je prends celui-là, allez. On va prendre celle-là. Comme ça, on augmentera Sora. Merci. Pas tactique. Pas compétence. Non. Sora. Comme ça, tu me donnes ça. Et on va aller au vaisseau Gumi. Mais je crois qu'il doit avoir une marque bleue pas loin par la travers, je crois. Il n'y a pas une là. Ah là, ici. Ah bah voilà. Pour aller prendre un coffre. Carte postale, d'accord. Si on arrive déjà à faire bien le 50-60% du jeu, ça peut, je serais bien content. Allez. Ah, est-ce que je peux faire encore quelque chose avec ça? J'ai combien de pièces? On voit nos pièces? Ah bah oui, on peut encore acheter un truc. Ah non! Non, on peut pas acheter un truc. Ah mince. Dommage. Bon. Allons au vaisseau Gumi. Alors. Le curseur indique le monde où nous nous trouvons. Peut-être achète une arme pour les compagnons. Ah peut-être, ouais, pas bête. Déplace pour choisir une nouvelle activité. Mais fais bien attention à son niveau. Qu'on ne combat plus. Le monde est à des étoiles. Plus le sang-cœur, ils sont forts. Attends, on va revenir là. T'es pas bête d'aller peut-être acheter quelque chose pour les alliés. J'hésite. Est-ce que j'achète un truc pour Donald ou Dingo? Peut-être Dingo ou bien Donald. Bah, on verra bien. On verra bien ce qu'il nous propose. Alors. J'ai des choses à acheter. Mais je crois qu'il n'y a rien pour les alliés là. Non, il n'y a rien pour les alliés. Je veux vendre. Gauche, tout. C'est le neveu de Donald qui tient la boutique des armes. Ah, d'accord.
y a un endroit où il y a des boutiques. Ah, par contre là. Donne-moi ce coffre. Merci. Il n'y a rien d'autre là. Ah! Peut-être ici c'est sans brasier. Parce que j'ai fait, mais j'ai fait. Gauche tout, c'est neveu. Alors attends, tu m'as dit à gauche. Sors de la boutique et va à droite. Alors à droite, va à droite de la main gauche. Alors, droite, c'est là. Ou peut-être pas. Non, ce n'est pas là, comme un bougre. À gauche. Ah, peut-être là. Ah là. Ah d'accord, le... ah oui, Fifi, Riri, Loulou. Bonjour les gars. Salut, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois dire déjà? Ah oui, tu veux acheter ou vendre? Je veux acheter. Ah ouais, ok. Mm-hmm. On va prendre celle-là pour Donald. Voilà. Alors, Donald. Voilà. Sortons de là. Ah, puis la boutique est là, d'accord. Ok. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On va aller chez Alice au Pays des Merveilles. On va aller là-bas. Étoile du matin est le meilleur choix. Donald tape rarement. Du coup, le marteau en bois ne sert pas à grand chose. D'accord. Ouais, mais il me dit pas quelle étoile c'est. Ah là, c'est deux étoiles. C'est une étoile. Allons-y. Faisons avec le vaisseau Gumi. Je m'imagine. Nous pouvons voyager d'un monde à l'autre grâce à notre vaisseau. Mais ceux qui sans cœur essaient de nous barrer la route. Il nous faut bien ne manœuvrer pour éviter leur attraction de l'obstacle. Pour diriger le vaisseau, on utilise le joystick analogique gauche. On ne pousse pas de cendre ou tirer pour dessus. La jauge bleue indique l'énergie utilisée pour le laser de Abra. Fais en sorte de toujours en garder un peu au cas où. La jauge verte, c'est résistant de vaisseau. Fais attention car il y a des tombes à zéro. On retourne au point de départ. Aïe. J'ai oublié, désolé, pas de soucis. Ah, j'avais oublié que j'aimais pas le vaisseau Gumi. Aïe. Oh mais c'est nul le vaisseau Gumi, j'ai jamais aimé ces phases de tir comme ça, même dans le 2. Bah moi je spam hein, comme un con hein. Ah bah voilà.
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le fast shoot. Ben non, moi je trouve que c'est pas vraiment terrible. Après voilà, ils ont choisi de faire ça comme ça à l'époque, donc voilà. Faut respecter quoi. Allez, on descend. On va aller chez Alice. Pays des merveilles. Jamais aimé tant ce dessin animé. Alice au pays des merveilles. Ah, bah, en retard, en retard, en retard. J'ai rendez-vous en retard. Je suis ici et je devrais être là. Je suis en retard, en retard, en retard. La reine va me faire couper la tête. En retard, en retard. J'ai rendez-vous en retard. La marque verte, ok. Elle va être très chiante cette musique. Allez, allez, on y va. Elle va être chiante, cette musique, elle est horrible, et très très chiante. Ok. Bonjour l'ami. Mais comment est-il devenu si petit? Non, vous êtes tout simplement trop grand. Êtes-vous obligé de crier? Vous m'avez réveillé. Oh, bonjour. Bonne nuit. J'ai encore besoin d'un peu de sommeil. Attends, qu'est-ce qu'on doit faire pour rétrécir? Pourquoi n'essayez-vous pas la bouteille qui se trouve là-bas? Ah bah, s'il montrait avant. Oui, boire, merci. Ok. Bon, rentrons déjà là, déjà pour commencer. Bah super, il dort. Génial. Allez, ça dégage. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ce bougre, il dort vraiment en plus, c'est ça le con. C'est ça le pire. Aïe! Truc là à faire. Fallait pas grandir, c'est ça? Ou bien?
si je sors au sort brasier. Rien à voir. On va grandir. Voilà. Il me semblait qu'il y avait un trou là. La porte, pardon. Je crois que c'était autre chose. Ah. Il me semblait que c'était un truc comme ça. Je me souviens un petit peu. Alors, allons par là. C'est vrai que tu peux pousser les objets dans le mur. Ouais, je crois que c'est un truc du style, ouais. Bon. Alice. Je déclare la séance ouverte. On me fait un procès? Mais pourquoi? Sa Majesté la Reine de Cœur va présider. Cette fille est coupable. Ceci est irréfutable. Et la preuve en est que je le dis, voilà c'est tout. C'est tellement injuste. Quelle insolence. Eh bien, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? Bien évidemment, je n'ai absolument rien fait de mal. Vous avez beau être reine, cela ne vous donne en aucun cas le droit d'être si... si méchante. Silence! Tu oses me défier? Eh, vous pensez pas qu'on doit l'aider? Oui, ma foi. On est des étrangers, ne serait-ce pas s'émincer? Si bon, frère. Oh oui, et c'est contraire au règlement. La cour reconnaît l'accusé ici présente coupable. Coupable d'agression et de tentative de vol de mon cœur. Coupez-lui la tête! Oh non, non! Pitié! Attendez une seconde! Qui êtes-vous? Comment osez-vous interférer avec ma cour? Excusez-moi, mais nous savons qui sont les vrais coupables. Eh oui, c'est les sans. En tout cas. Ce n'est pas elle qu'il faut accuser. Ça n'a aucun sens. Avez-vous une preuve? Apportez-moi la preuve d'une innocence d'Alice. Échouez, je vous fais tous couper la tête. Objection. Recueillez autant de preuves que tu peux ou voudras. Reviens me voir quand tu seras prêt. D'accord. Bon, on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Ça fait plaisir d'avoir du monde. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, la suite, au prochain numéro.